Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Faye. Salut Guillaume. Salut, merci de m'avoir invité. Eh bien, écoute, tout l'honneur est pour moi. Je suis vraiment ravi de t'avoir dans l'émission. Tu es vraiment quelqu'un d'important. Tu as écrit d'excellents livres. Merci. On va commencer déjà parce que mon public est assez jeune. Alors, il ne connaît pas forcément toutes les personnes que je fais passer à mes côtés. Ouais. Hein. Voilà, ces gens-là ne se cultivent pas assez. Alors, on en parlait un peu en off. Comment, toi, tu te définis? T'es un écrivain, un intellectuel? Je suis un peu de tout. Moi, j'ai tout fait. J'ai fait de la radio, j'ai fait des gags. J'ai fait des gags téléphoniques, j'ai tout fait, j'ai fait de la scène, j'ai fait du théâtre. Je suis un polyvalent. Ouais. Je fais des cours en Russie, dans les universités, certaines universités. Je tiens un blog, je fais un peu de tout. Mais en Russie, polyvalent. Tu donnes des cours en français ou en... Je donne des cours en français pour les, disons, pour les gens qui veulent se renseigner sur la civilisation française. D'accord. Parce que j'ai des amis qui sont dans l'université, je suis étant... C'est mon blog qui m'a permis de faire ça, parce que comme je suis très poutiniste, j'ai été repéré par les Russes. Ouais, ouais. Et ils m'ont demandé si je voulais faire des cours, etc. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Aucun problème. C'est super, bien, hein. Sûr, bien sûr, oui, oui. Et donc, voilà, quoi. Mais je fais un peu de tout. Alors, je fais un blog, je fais aussi des conférences, je fais des textes, je fais des bouquins. Là, je travaille sur des romans aussi, je fais un peu de tout. Oui, c'est ça. Polyvalent. Polyvalent. Ce qui est intéressant, je vais revenir un peu plus loin dans l'entretien, mais c'est que tu n'écris pas seulement des essais, tu écris aussi de la fiction. Aussi de la fiction, je fais un peu de tout. Voilà. Et dans le milieu de droite, ça, c'est assez rare, en fait. On a souvent des idéologues, mais qui déconsidèrent un petit peu l'imagination, la fiction. Oui, c'est-à-dire que, oui, ben ça, c'est bon, je ne critique pas. Hein. Oui. Simplement, je pense que pour être complet, il faut être polyvalent. Oui. C'est-à-dire qu'il faut faire un peu de tout, quoi. Il ne faut pas simplement, bon, voilà... Quand on est conducteur de locomotive, il faut aussi savoir conduire une voiture. Oui, oui, oui. Hein, il faut aussi savoir marcher dans les bois. Il faut aussi savoir... Bon, voilà. Donc, je pense qu'il faut un peu savoir tout faire. Et justement, c'est la caractéristique de l'homme européen par rapport à d'autres, c'est qu'il est polyvalent. Oui. Il n'est pas uniquement spécialisé. Et le drame de notre époque, c'est la spécialisation. Oui. Les gens sont trop spécialisés dans un seul domaine. Donc forcément, quand ils sortent de leur domaine ou quand leur domaine s'effondre, ils sont complètement paumés, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, c'est vrai que dans les premiers temps de la philosophie grecque, la polyvalence était vraiment indispensable. Bah, il faut relire Aristote. Ouais. Aristote, dans ça, l'œuvre d'Aristote est à la fois une œuvre mathématique, une œuvre philosophique, une œuvre politique. Faut relire Platon aussi, qui était aussi en même temps un soldat. C'est-à-dire ces gens qui faisaient tout, quoi. Ouais. Donc voilà, quoi. C'est la tradition européenne, c'est la polyvalence. Tout à fait. C'est pas, alors qu'on a des traditions d'autres peuples dont je ne parlerai pas, notamment des peuples asiatiques, etc., qui ont été, quand on voit l'Empire chinois, par exemple, il y avait une très grande spécialisation autour du mandarinat. C'était une très grande spécialisation qui, malheureusement, est apparue en Europe avec des institutions comme l'ENA, etc., qui sont très mauvaises. Et même à un niveau industriel, est-ce que tu penses que le fordisme, ça a mis l'homme européen et occidental dans la spécialisation? Une très grande spécialisation. Ouais. Une machinisation de l'homme aussi, le fordisme, etc. Mais actuellement, bon, moi, je pense que, de toute façon... il faut la seule chance pour s'en sortir, c'est qu'il faut il faut savoir sortir de sa propre spécialité, voir ce qui se passe autour, quoi, voir ce qui se passe. On prend une invasion musulmane actuellement, une invasion arabo-musulmane. Il faut savoir ce que c'est que l'islam. Il faut s'y intéresser. Il ne faut pas s'intéresser qu'au transhumanisme ou à l'informatique. Je veux dire, il faut aussi savoir sortir de sa spécialisation. Or, actuellement, toute la force du système consiste à enfermer les gens dans une spécialité. Donc, regardez pas ce qui se passe autour, ça ne vous regarde pas. Regardez pas ce qui se passe autour. Hein. Occupez-vous, vous êtes quoi? Vous êtes informaticien dans tel domaine? Ben, restez dans votre domaine. Ce qui se passe ailleurs, hein, la crise des migrants, ça ne vous regarde pas. Ça vous intéresse pas, vous n'y connaissez rien. C'est ce qui se passe. Donc, il faut... Voilà. Alors... Politiquement, tu te définis comment? T'es de droite, t'es nation, t'es quoi? T'es européiste, européaniste? Moi, je suis pour la défense de l'identité de l'Europe au sens large, au sens civilisationnel. Identité à la fois ethnique, c'est-à-dire culturelle, mais aussi biologique, bien entendu. Oui. Évidemment, ça va de pair. Hein, bon. Oui. Et c'est la raison pour laquelle les gens me traitent d'islamophobe. Ça ne me dérange pas, d'ailleurs. Oui, oui. Ça ne me dérange pas du tout. Je dis simplement, chaque peuple, je suis aristotélicien au départ, on ne peut pas mélanger l'humanité, on ne peut pas faire de cosmopolitisme, chaque peuple,
l'humanité ne peut être en paix que si chaque peuple vit libre chez lui. Oui. Et sans mélange. Dès qu'il y a un mélange de peuples, ce que disait Aristote dans sa Politeia, écrit il y a 3500 ans, dès qu'on mélange les peuples, même à l'intérieur des peuples d'origine grecque, ça ne marche pas. Oui. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Oui. C'est le conflit immédiat. Ce qu'on voit actuellement au Moyen-Orient, avec le problème entre Israël et ce qu'on appelle les Palestiniens, croyants palestiniens d'ailleurs, oui. qui sont des arabo-musulmans d'origine égyptienne en général d'ailleurs. Bref, etc., etc. Donc on ne peut pas mélanger les peuples. Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que je défends bien entendu la France et sa grande tradition, etc. Mais étant d'origine d'abord bonapartiste, je dis d'abord... Au-dessus de la France, il y a l'Europe. Et au-dessus de l'Europe, il y a l'alliance avec la Russie, oui. qui fait partie intégrante de l'Europe. C'est pour ça que j'avais créé le concept d'Eurosibérie, qui disait qu'il y a une alliance naturelle entre l'Europe et la Russie. Alors, vis-à-vis des États-Unis, j'ai toujours dit je ne considère pas les Américains comme des ennemis, mais comme des adversaires. Oui. Comme on le voit aujourd'hui avec M. Trump et sa politique. Il a raison de son point de vue, d'ailleurs, sa politique de scandaleuse, d'ailleurs, d'un point de vue de droit international, de sanctions économiques, etc. Mm-hmm. Mais les États-Unis, de leur point de vue, ont raison de faire ça. C'est leur point de vue. Bon, voilà. Oui. Mais c'est à nous, Européens, de réagir. Simplement, les États-Unis, j'ai toujours dit, ne sont pas des ennemis. Ce sont des adversaires. Ce ne sont pas des ennemis. La nuance est importante. Ouais. La nuance est importante. C'est ektros. Et inimicos en grec, bon, inimicus plutôt et hostis en latin, ouais. ektros et polemos en grec, deux notions aristotéliciennes très importantes. Ouais. L'ennemi étant celui qui veut vous détruire, comme l'Iran veut détruire Israël par exemple, ouais. hein, et l'adversaire étant celui qui veut vous dominer tout simplement. Ouais. Et de son point de vue, il n'a pas tort, il veut vous dominer, il va vous dominer, bon ben voilà, mais il faut se défendre. Mr. Trump, je ne déteste pas Mr. Trump, j'ai fait dans mon blog des textes pour le défendre d'un certain point de vue. Oui. Mais je dis, Mr. Trump, il est peut-être un peu bête, etc. Bon, c'est vrai. Oui. Mais il défend son bateau. Bistec, quoi. Il défend son bistec. Bon, voilà. C'est à nous de réagir. Si les Européens ne réagissent pas à la vôtre, c'est leur faute, je veux dire, c'est de leur faute. Ouais. On est toujours responsable de ce qui nous arrive, pas dire c'est toujours la faute de l'autre. C'est vrai. Si vous ne vous défendez pas, vous vous êtes attaqué, bien entendu, évidemment. Ben oui, bien sûr. Alors, puisque tu as l'air d'aimer la Russie, il y a pas mal de gens qui estiment que Moscou est la dernière Rome. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est à la fois vrai et faux. Alors, il faut, moi, je connais bien la Russie, j'y vais souvent. Ouais. Alors, il faut bien savoir une chose. Première chose, la Russie n'a jamais été une démocratie, ne sera jamais au sens où on est, nous, une démocratie. Bah, ouais. bah, parce que c'est un pouvoir autocratique. Il faut savoir que la Russie, c'est 14 fois la France en superficie. 14 fois. Hein. Ouais. C'est énorme. Hein. Oui. Donc, il est très difficile d'avoir un pouvoir comme en France, proche des gens, etc. Bon. Deuxième chose, M. Poutine a réussi dans beaucoup de domaines en rendant son prestige moral à la Russie, mais sur le plan économique, il a complètement échoué. Ouais, ouais. Il n'a pas réussi à rétablir une économie russe, à lutter contre la corruption, il n'a pas réussi. Ouais. C'est trop profond dans la société russe. Et puis, deuxièmement, il ne s'est pas intéressé au problème. Il a d'abord voulu restaurer la puissance militaire, ce qu'il a fait. Oui. Mais la Russie actuellement, bon, dire c'est le sauveur, etc., je ne crois pas tellement. Je ne crois pas que ce soit le sauveur. Parce qu'à la limite, ils n'ont pas grand-chose à faire de notre sort. Donc, ils ne viendront pas nous sauver si on est envahi par l'islam. Je ne pense pas. Non, mais c'est très intéressant la nuance que tu as introduite. Tu ne dis pas que les Russes vont nous sauver. Tu dis qu'il y a une proximité culturelle. Il y a une proximité culturelle et voilà. Il y a un comportement oui. dans la société russe, notamment dans la jeunesse, qui est un comportement qui est à 100 lieues de ce qu'on voit aujourd'hui en Occident. Oui. C'est-à-dire chez des gens qui ne supportent pas qu'une de leurs femmes se marie avec un allogène complet. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Bon, c'est comme ça. Il y a des réflexes ethniques et biologiques qui sont très ancrés dans la société russe, ouais. qui l'étaient dans la nôtre autrefois, mais qui le sont encore dans beaucoup d'autres sociétés d'ailleurs, mais qui sont très différents. Mais il ne faut pas, jamais je ne l'ai fait, il ne faut pas
idolâtrer la Russie. Il ne faut pas idolâtrer la Russie, surtout pas. Et dire ils vont venir nous sauver, non, pas du tout. Non, non, ils s'en fichent aussi. Ils s'en fichent. Bon, et c'est nous-mêmes qui nous sauverons si on a sauvé. Bah, puisque tu connais bien la Russie, une dernière question là-dessus. Quelle est la situation de la Russie par rapport à l'islam? Alors, il faut savoir que la grande différence, c'est que la Russie a conquis l'islam et que nous, nous sommes conquis par l'islam. Oui. C'est la grande différence. C'est-à-dire que il y a 20% de musulmans qui sont citoyens russes, notamment ce Tchétchène assassin là, qui a tué quelqu'un là. Oui, à Paris. Ouais. À Paris. Mais c'est des gens qui ont été conquis par l'Empire russe, qui étaient musulmans avant, alors que nous, on est envahis par les musulmans. Donc il y a une grande différence. Mais il y a 20% effectivement de musulmans dans la population qui a la carte d'identité russe, dans tout l'immense territoire. Mais l'immense majorité se tient à carreau. Certes, mais est-ce que comme chez nous... Ils se tiennent à carreau, parce qu'ils savent que moindre, s'ils bougent le petit doigt, ça peut mal se passer. Quoi. Malgré tout, est-ce qu'il y a cette menace démographique, c'est-à-dire que les musulmans font plus d'enfants que Oui, c'est exactement comme en Israël aussi, d'ailleurs. Malheureusement, il y a la seule force, comme disait Boumediene, l'ancien président algérien, la seule force des musulmans, ce n'est pas leur cerveau, on le saurait, la seule force des musulmans et des arabes, c'est leur puissance démographique. C'est leur seule force, ça c'est certain. Il faut savoir que dans l'histoire, de manière générale et globale, depuis l'Antiquité, depuis même avant, c'est la démographie qui gouverne. Ouais. On pourrait dire aussi leur abnégation face à la mort aussi. Face à la mort, il y a ça aussi. Il y a le fait qu'ils méprisent la mort et que non seulement ils méprisent la mort, mais par superstition, ils considèrent que la mort est un don de Dieu. Oui. Ils considèrent que la mort est quelque chose qui leur est donné, mais ils sont très superstitieux. Hein. Ils vont aller au paradis d'Allah avec 72 vierges, etc. Je ne crois pas tout ça, mais n'empêche qu'il y a une fascination pour la mort. Ce qui a été très bien expliqué par Jeannette Bougrab, et comme beaucoup de femmes musulmanes, d'ailleurs, qui sont très conscientes de ce qu'est l'islam et très intelligentes, elle a expliqué récemment dans le Figaro, je crois, la colonne du Figaro, elle a expliqué, ou dans un autre journal, je ne me rappelle pas, qu'il y avait une fascination pour la mort chez les islamistes, chez les musulmans, qui était quelque chose de très puissant chez eux et qui avait permis notamment à ce Tchétchène qui, dans le quartier de l'Opéra, a assassiné des gens au couteau, de manifester un fanatisme absolument incroyable. Un fanatisme absolument incroyable, quoi. Qui est sidérant, quoi, et qui est une force. Attention, une force. On va revenir sur l'islam tout à l'heure. Je voulais parler un tout petit peu de ta vie de jeune adulte, d'adolescent. En fait, j'ai une question que... Je voulais d'abord te parler de ton enfance. Je voulais savoir si ton enfance a été heureuse, parce que tu as connu quand même cette France qui était encore la France, quoi. Bah, oui, c'est-à-dire que c'était la France de Charles Trenet. Je suis plus ancien, Douce France, chaque pays de mon enfance. T'es né à peu près la même année que mon père, donc t'as connu... Moi, je suis né en 49. Ouais, voilà, bah t'as eu à 20 ans en 68, quoi. C'était pas le même pays, pas du tout la même société, les mêmes problèmes, etc. Mais ça commençait quand même, attention. Oui. Ça a commencé en 68. Moi, j'ai fait mes études en 68 au lycée d'Acanal, à Sceaux, et j'étais opposé aux gauchistes à l'époque. Ah, déjà, oui. Oui, et ça commençait, la multiracialité, tout ça, ça commençait. Il n'y avait pas l'islam. Oui. Il n'y avait pas l'islamo-gauchisme, il n'y avait pas l'alliance entre l'islam et le gauchisme. Il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui, cette absolue aberration, cette alliance entre le féminisme et l'islam. L'islam étant antiféminisme, c'est hallucinant. Paradoxe incroyable. Ça n'existait pas. Mais il n'empêche qu'à l'époque, en 68, ils étaient plus intelligents que les mecs de la nuit debout, etc. Mais en 68... Il y avait quand même une emprise du marxisme très, très puissante, de l'archéo-marxisme. Et il y avait quand même toujours ce gauchisme, ce cosmopolitisme. C'était en gros les mêmes idées, en plus élaborées, mais disons que le virus commençait à prendre. Oui. Et c'est là où moi, je suis entré un peu en révolte contre ça et que j'ai décidé, non pas de devenir nationaliste, mais de défendre une autre idée, qui est l'idée de nationalisme européen. Ouais, l'occidentalisme, on pourrait dire, de cette manière. J'ai écrit un livre contre l'Occident. Ah tiens, intéressant. Parce que l'Occident, c'est une civilisation qui rejoint les États-Unis, le Japon, tout ça, ça n'a rien à voir. Donc tu veux isoler l'Europe, en fait, de ça? Oui, l'Europe et la Russie. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours opposé l'Occident. J'ai dit, je ne suis pas occidentaliste. D'accord. Je suis européiste, d'abord. Je suis européiste. Avec la Russie, bien entendu. Pour ça, j'avais créé le concept à un moment, mais j'ai abandonné parce que les Russes m'ont dit ça va pas d'Euro-Sibérie. Oui, oui. Et ils m'ont dit Euro-Russie, c'est mieux.
Mais il y a évidemment un ensemble culturel euro-russe, et c'est pourquoi, et c'est la raison pour laquelle l'anti-russisme actuel des Occidentaux, poussé par les États-Unis évidemment, est très dangereux, parce qu'il vise à séparer l'Europe de la Russie, à pousser la Russie dans les bras de la Chine, pour affaiblir l'Europe, bien entendu. Le but des États-Unis, c'est quoi ? C'est d'affaiblir l'Europe, c'est pas de nous détruire. Alors que l'Iran veut détruire Israël, par exemple. Bon. Oui. Les États-Unis ne veulent pas nous détruire, ils veulent nous affaiblir. Bon, c'est totalement différent. On est d'accord que tu distingues le rapprochement que tu voudrais avec la Russie de l'eurasisme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas exactement la même chose. C'est les Russes qui m'ont dit n'emploie pas le mot Eurosibérie. Oui. Mais l'eurasisme, moi je suis contre ce mot eurasisme parce qu'on n'est pas des Asiatiques. Oui, d'accord. C'est-à-dire, la Sibérie n'est plus l'Asie. À partir du moment où elle est russifiée, elle n'est plus l'Asie. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Dominique Vénère lorsque tu as travaillé avec lui au Grèce ? Alors, Dominique Vénère, c'est celui qui m'a fait entrer dans nos milieux. Ouais. Donc, c'était en 70. Mm-hmm. Il avait créé l'Institut d'études occidentales. Mm-hmm. Et je me rappelle, c'était au métro Jasmin. J'avais rencontré Dominique Vénère. J'avais travaillé avec lui. Il avait une petite revue. Ouais. Et j'avais fait quelques articles pour lui. Et on est restés très bons amis, voilà. Et on avait à peu près les mêmes idées. Mais c'est lui qui m'a introduit dans nos milieux. C'est lui, c'est Dominique Vénère. Hein. Et je l'ai revu pendant 20 ans. On se revoyait très souvent, on bouffait ensemble. Ouais. Et quand il s'est suicidé à Notre-Dame, c'est quelque chose... J'ai fait un texte en son hommage, mais c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Ah d'accord, voilà, je voulais t'en parler de ça. Comment tu... C'est du romantisme absolu, quoi. Je ne suis pas du tout romantique. Vous n'êtes pas comme ça, ouais. Je ne suis pas du tout romantique. Ça, ouais. Mais bon, je respecte son geste. Oui. Ce que je reproche, c'est que beaucoup de gens ont essayé de l'utiliser pour se ramener la couverture à eux. Mais son geste, en plus à Notre-Dame, je n'ai pas le rapport. Oui, d'autant que lui était païen. Il était païen, bon, il aurait fait son Parthénon, je comprends. Mais à Notre-Dame, je ne vois pas trop. Mais en fait, ce que personne n'a dit, c'est qu'il l'a fait parce qu'il était, d'après les textes un peu flous qu'il a fait avant, parce qu'il était complètement désespéré par le problème de l'immigration. Oui. D'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça, oui. Bon. Oui, mais enfin, d'accord. Mais avec Dominique Vénère, j'ai toujours eu... des sentiments d'analyse commune dans beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines. Et au début, je suis entré à l'Institut d'études occidentales. Ouais. Après, je suis entré au Grèce, donc, que j'ai quitté en 86-87 pour des raisons de divergence idéologique sur un certain nombre de sujets. Mais, je veux dire, c'est Dominique Vénère qui m'a... effectivement, ouvert les yeux sur un certain nombre de choses en 1970. Quel était l'objectif que se fixait le Grèce, en fait ? C'était que Le Grèce, c'était la métapolitique. Le Grèce, c'était Gramsci. L'objectif du Grèce, au départ, ça a été, et ça a réussi au départ, avec le Figaro Magazine, avec etc., c'était la conquête des esprits, la métapolitique. C'est-à-dire, on ne fait pas politique, on ne cherche pas à avoir des députés, mais on cherche à influencer... les gens sur le plan intellectuel, universitaire, journaliste, etc., de manière à pouvoir, à long terme, conquérir des positions politiques, etc. Bon. Ça a très bien marché dans un premier temps. Oui. Et j'ai quitté en 86 parce qu'à mon avis, ça a dérivé dans beaucoup de domaines trop folkloriques, qui me déplaisaient profondément. Bien sûr, et puis un truc fondamental, c'est que tu as été un des premiers et je t'en félicite, à t'être rendu compte de ce glissement de l'extrême droite ou de la nouvelle droite vers une islamophilie un petit peu mystique, un petit peu dingue. Un petit peu mystique dingue qui était inspirée par certaines nostalgies d'un passé assez récent, sans vouloir préciser trop, n'est-ce pas ? C'était Europe, tiers-monde, même combat. Oui, c'est ça. Au nom de l'anti-américanisme absolu et excessif, on disait, mais finalement, il faut se tourner vers l'islam, vers l'Afrique, tout ça, vers le tiers-monde et tout. Ouais. Bon, c'était un excès, c'était de l'hubris. Et ça a donné lieu chez certains penseurs que je ne nommerai pas. Tu peux, hein, je vois à qui tu penses. Oui, je pense à M. Benoît, évidemment. Qui est un ami d'ailleurs, mais qui est un type très sympathique.
Mais il y a eu un côté pro-iranien, pro-islamique, qui était, à mon avis, irréfléchi, complètement irréfléchi, et qui était, pour tout dire, bête, intellectuellement bête. Mmh. C'était de la bêtise. Et ce que je reprochais, ce n'était pas du tout le côté affectif ou le côté moral, pas mon problème, c'est la bêtise. Oui, c'est comme dans l'antisémitisme, je dis, ça ne me choque pas l'antisémitisme sur le plan moral, ça me choque parce que c'est bête, que c'est politiquement idiot. Tu trouvais que l'idée que se faisait la nouvelle droite, enfin, en tout cas Alain de Benoît, était débile. Voilà, c'est-à-dire que ce n'était pas fonctionnel. Ça ne correspondait pas à la réalité. Oui, de ce qu'est l'islam. C'est comme si tu dis un papillon, ça c'est. Non, ce n'est pas un papillon, ça c'est un éléphant. Non, c'est un papillon. C'est un papillon. Ah bon ? Ah, je savais pas, les éléphants n'ont pas d'ailes ? Non, ils n'ont pas d'ailes. Non, mais il y avait un côté, dans le regard que portait la nouvelle droite à l'époque, c'est pour ça que je les ai quittés sur l'islam, un regard infantile, enfantin, et surtout un regard, dont les musulmans se moquaient d'ailleurs, c'est vrai, qui était un regard ignorant. C'était de l'ignorance, de la paresse intellectuelle. C'est pas ça l'islam. Mais si c'est affreux d'imaginer une main tendue à sens unique. Terrible, et les autres, alors comme c'est la taqiya, c'est-à-dire que c'est Ah ben ils vont à fond, ils disent oui, c'est vrai, vous avez raison. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, bon. Donc c'est toujours pareil. Oui, non, mais c'est toujours pareil, ça s'appelle la taqiya, c'est-à-dire c'est le fait de dire en permanence. Je vais mentir, c'est la dissimulation, la taqiya. Ah, mais le soir, ils sont morts de rire. Ils rigolent. Ils sont morts de rire après. Ils rigolent. Qu'est-ce qu'ils débattent là ? Bon, d'accord. Bon. Et puis l'autre, il était tout content. Ah, ben, vous avez vu comme ils sont gentils, comme ils sont sympathiques. Je lui dis, ben, ils sont très sympathiques. Ils sont très sympas. Le couteau dans le dos, ils sont très sympathiques. Relisez le général Dujos qui disait. Hein. Je ne sais pas si tu connais les travaux de Philippe Baillet, mais il est complètement sur ta ligne. Alors, Philippe Baillet, je l'ai bien connu. Il était au Grèce aussi. Ouais. Très bien connu. Son livre, L'autre tiers-mondisme, c'est vraiment ça. Il a très bien connu ça. Il était très opposé à Alain Benoît aussi. Et Philippe Baillet est très lucide. Ouais. Mais Alain Benoît n'est pas un type lucide. Si, il est lucide et intelligent, mais il est calculateur. C'est différent. C'est-à-dire qu'il veut toujours avoir son public, machin, ne pas choquer les musulmans, avoir des copains, voilà. C'est curieux. Là, c'est pas vraiment une question politique, c'est presque de la philo, mais je me suis jamais réussi à comprendre comment une même personne pouvait être très intelligente sur certains points et très con sur d'autres. Ah ben, il faut relire Voltaire, ça. Ouais. Voltaire, il y a des personnages de Voltaire dans Zadig qui sont absolument comme ça. Hein. Et dans Balzac aussi, c'est tout à fait classique. Il y a des gens qui peuvent être très puissants, très forts dans certains domaines d'analyse et très naïfs ailleurs. Ouais. De même, avec leurs femmes, ils peuvent être cocus complets et pas voir une seconde qu'elles le trompent. Et en même temps, pouvoir faire des équations mathématiques géniales. Le mec, il est Mac plus 9, il est pas au courant que sa femme... Voilà, parce que c'est la spécialisation du cerveau humain. Exactement. Tout simplement, c'est la spécialisation du cerveau. Alors, à un moment donné, bon, pour ces raisons que tu viens d'évoquer, tu t'es éloigné de la nouvelle droite, mais tu t'es même éloigné de la politique. C'est-à-dire que tu as eu une parenthèse, tu as fait de la radio, tu t'es un petit peu amusé. Bah, parle-nous un peu de ce moment de ta vie. Qu'est-ce qui t'a pris, en fait Un moment, je me marrais. Moi, ce qui m'a toujours plu dans la vie, c'est faire rire les gens aussi. Ouais. C'est faire des gags, donc j'ai fait des gags. Ouais. J'ai bossé avec Arthur, Jacques Essebac, de son vrai nom. Ouais. Donc à Skyrock pendant longtemps, pendant 10 ans, on faisait le morning, et j'ai fait des gags sur France 2, l'homme enceinte, tout ça, on a fait plein de gags, parce que j'aime ça, quoi. J'aime aussi faire rire, parce que je pense que par le rire, on peut faire passer des choses aussi. Mais t'as eu un ras-le-bol, t'en as eu plein le cul de la politique aussi, ça... Oui, j'en ai eu marre, j'ai pas fait de politique, jamais, moi. Ouais. Si je m'ai présenté en cas parti, je faisais de la métapolitique. Ouais. Mais il y a un moment, j'en ai eu marre. Et puis, c'est mon caractère, quoi. Je me suis dit, bon, je vais faire autre chose, voilà, je vais changer de truc. Mais quand j'ai dit aux gens que tu venais, il y en a beaucoup qui te suivent et qui te connaissent, ils m'ont demandé, mais comment il a pu passer dans les mailles du filet ? Comment tu as pu rester autant de temps à Skyrock sans que ça se sache que tu étais droitard anti-islam Ils le savaient ? Si, ça s'est su à cause de nos braves amis de l'extrême droite qui m'ont dénoncé. C'est mignon, bien sûr. D'accord. Si, ça s'est su, au bout d'un moment, ça s'est su. Et puis surtout, je veux dire, Skyrock est devenu, au début Skyrock c'était plus de tubes, moins de pubs. Oui. Bon, ce qui était fou d'ailleurs, c'était autant des deux, quoi. Mais c'était du rock and roll, c'était de la chose. Et là, c'est devenu du rap. Exactement. Premier sur le rap. Alors là, j'ai dit à Bélanger, le patron, j'ai dit, attends,
Ouais, c'est clair. Elle me dit, je te connais. Hein. Ouais. Ah ouais, bah, t'as raison. Hein. Mais finalement, ça a épousé le changement de population. Ça a épousé seulement la population. Ouais. C'est-à-dire que les jeunes, tu vois, là, c'est pas les mêmes jeunes, quoi. C'est écoute pas trop du rock, quoi. C'est pas très Elvis Presley. C'est pas Elvis Presley, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pas Goldman ni Elvis Presley, voilà, c'est clair, quoi. Ouais. Et il y a un changement dans les années 80, monumental, même dans le personnel de Skyrock. Ah oui. Sur le plan ethnique. Ah oui, oui. Un grand remplacement de. Et moi, je me suis cassé à ce moment-là. Je me suis dit, bon, c'est plus mon truc, là. Ouais. C'est pas mon truc. Hein. Ouais, c'est rien. Ah, mais elle me dit, ouais, mais t'es quand même un peu. Raciste, non ? Le mec, au bout de 10 ans, quoi. J'ai dit, t'es un truc que tu savais pas. Ouais, t'avais pas remarqué. Parce que moi, tu dis, un toubib, bah, t'es thérapeute. Ah, tout à bon, tu savais pas, ça. Extraordinaire, toi. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir un peu aux choses sérieuses, j'allais dire ? Parce que moi, je suis un indigné. Ouais. Ce qui m'a donné envie de revenir, c'est dans les années 90-2000. Ouais. C'est quand je voyais ce qui se passait. Je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça, les bras ballants, rien faire. Mm. On continue à faire du comique, etc. Tu vois, bon. Ouais. Parce que j'ai fait aussi des trucs porno avec des nanas, machin. Bon, je m'amusais beaucoup. Toi. Ouais. Non, mais il n'y a pas bon, de mal. Mais bon, il n'y a pas de mal. Mais je me suis dit, il y a un moment, bon, il faut arrêter parce que depuis que je suis tout petit, je ne peux pas m'empêcher de parler, quoi. De dire ce que je pense, quoi. Ouais. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, là ? Vous êtes complètement envahis, vous voyez ce qui se passe ? Vous voyez l'état de votre école ? Ouais. Hein, vous voyez ce qui se passe, même à la SNCF, même à EDF, etc. Vous voyez l'effondrement de notre société, vous voyez ce qui se passe ? Vous ne voyez pas, non ? Vous ne voyez pas ? Ouais. Et ça m'a dit, je vais revenir. J'ai une question que je n'avais pas prévue, mais là, elle arrive dans le fil de l'interview, c'est... Qu'est-ce que tu... Il y a des gens qui ne t'aiment pas, parce qu'ils considèrent que tu parles souvent du retour aux traditions... et que tu n'as pas incarné dans ta vie, selon leurs critères à eux, le traditionnalisme. Mais parce que le traditionnalisme n'est pas européen. Il y a tradition et tradition. Ce que j'ai toujours dit quand j'étais aux Grèces, c'est que c'est pour ça que je les ai quittés. Parce qu'ils étaient traditionnalistes. Alors on va faire la tour de Yule, on va faire le marteau de Thor, on va faire le truc, machin. Mais je veux dire, c'est pas européen, ça c'est un truc d'Africain, ça. Ouais. La tradition européenne, c'est la tradition européenne, c'est l'innovation permanente. Oui. Même si c'est une innovation destructrice. Mm-hmm. Mais la vraie tradition européenne, c'est-à-dire, les cathédrales gothiques, ce n'est pas les temples grecs. Oui. C'est autre chose, je veux dire. Oui. Bon, je veux dire, les traditions européennes, la peinture européenne, ce n'est pas toujours la même chose. Mm. Alors que la peinture chinoise, la peinture japonaise, c'est la reproduction éternelle des mêmes critères. Au fond, tu reproches à beaucoup de tradis du milieu d'être surtout des conservateurs, Des conservateurs au sens mauvais, des conservatistes. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent conserver un truc figé, mais ce n'est pas européen, ça. Oui. Ça, c'est asiatique, justement. Ou c'est africain, mais ce n'est pas européen. Oui. La vraie tradition européenne a toujours été d'innover, mais bien innover. Pas d'innover dans la merde avec l'art contemporain. Parce que là, c'est de la merde. Hein, mais en fait, c'est tout le sujet de ton livre qui, de tous ceux que j'ai lus, c'est le plus intéressant, je trouve, c'est l'archéofuturisme. C'est, en fait, tu exprimes vraiment cette idée. Tu vas un peu dans le sens contraire de beaucoup de penseurs du milieu national. Pour toi, le progrès, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même ce qui caractérise les Européens blancs, quoi. C'est-à-dire vraiment cette volonté toujours d'aller vers l'avant, tout en gardant un socle moral. Bah oui, c'est-à-dire qu'il faut... C'est toujours pareil, il faut innover dans les formes, tout en gardant le fond. C'est ça, ouais. Tout en gardant le fond. À partir du moment... Parce que l'art contemporain, aujourd'hui, on n'innove pas. C'est du grand n'importe quoi, je veux dire. Ouais. On fait du grand n'importe quoi, partout, dans tous les domaines. Ouais. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai toujours dit, la tradition européenne est une tradition d'innovation. Alors, on dit c'est du progressisme, progrès, oui, mais... c'est du progressisme. Oui, c'est du progressisme. Je préfère progresser que régresser. Ouais. Maintenant, il est certain qu'il y a des innovations régressives. Ouais. Ça, c'est certain. Ouais. Même dans le domaine technologique. Ah bah justement, j'y viens. Est-ce que tu es inquiet, par exemple, du transhumanisme ? Non, je ne suis pas inquiet parce que ça n'arrivera jamais. C'est impossible. C'est trop cher. Ah oui ? Oui, c'est trop cher, c'est impossible, c'est des utopies, ça. C'est n'importe quoi. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Je ne crois pas du tout, ça. Alors, est-ce que tu, malgré tout,
Il y a un retard de l'Europe dans des domaines comme celui de la haute technologie et de l'IA, de l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que ça, par contre, ça t'inquiète? Oui. C'est concret, quoi. Oui, ça m'inquiète. Par rapport aux États-Unis. Mais en même temps, je pense que l'intelligence artificielle a des inconvénients aussi. Parce que, et de même que le levier a fait baisser la puissance musculaire des hommes, l'intelligence artificielle peut baisser les capacités cervicales aussi. Capacités du cerveau. Ben oui, parce qu'on remplace. Les jeunes aujourd'hui, depuis des calculettes, etc., ils ne savent plus faire des calculs mentaux. C'est emmerdant, ça. C'est vrai. Donc, le gros problème de l'intelligence artificielle, c'est de, il faut bien la maîtriser, de manière à ce que ça ne fasse pas baisser les capacités cognitives des hommes. C'est ça le gros problème. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que ça les aide, soit une béquille, mais pas voilà. Que... Voilà. Maintenant, je ne suis pas contre. Papa, viens, je suis contre. Ce serait débile de dire je suis contre. Mais il faut maîtriser, il faut bien maîtriser. Il faut bien maîtriser. Bon, maintenant, il est certain qu'il y a des tas d'impostures complètes. On nous raconte des tas de bêtises, je veux dire. On nous dit... Demain, les voitures n'auront plus besoin de conducteurs. Vous voyez, vous avez programmé, c'est pas vrai, c'est faux. Ah bah, alors, attention, Guillaume, parce que là, tu prends un risque, parce qu'on prétend que les voitures comme ça vont arriver dans 2 ans. Hein. Ouais, ça se trouve, dans 2 ans, tu passes pour un con. Hein. Ouais, attention. Mais, oui, non, mais je ne vois pas une seconde. D'accord, parce que c'est... C'est psychologique. Qu'est-ce qui est psychologique? Bah, c'est-à-dire que tu accepteras de monter dans une diamante, il n'y a plus de... Non. Disons que je ne serai pas le premier, personnellement. Je ne serai pas le premier, voilà déjà. C'est comme le transhumanisme, on dit « transhumanisme, vous allez vivre 2000 ans ». Ah d'accord, ouais, bien sûr. Avec quel fric? Bah je sais pas. Bah cela dit, arriver à 90 balais, se faire greffer une tub, c'est pas mal quoi, mécanique. Oui, c'est pas mal, mais ça marchera pas, c'est tout. et puis qui pourra se le payer? Ah ça c'est une autre question. C'est une autre question, qui pourra se le payer? Tu auras des médecins, des laboratoires qui vont faire ça? Ah bah je crois pas, non toi. Toubib il va te dire, ouais mais c'est 2 millions de dollars monsieur là. Ouais. Et on vous garantit pas le truc. Ouais. Ah bah oui, transhumanisme, c'est bien, oui. Transhumanisme c'est bien pour les romans quoi, monsieur. Bon. Toujours dans le même livre, dans l'archéofuturisme, un de tes chapitres s'appelle l'anthropologie, fondement de l'histoire. Est-ce que finalement, avec un titre comme ça, selon la définition des gauchistes, finalement, tu es un raciste? Oui. On est d'accord là-dessus. Bah oui. C'est-à-dire que tu considères que le... Oui, mais le mot raciste comme le mot islamophobe, c'est des espèces de mots comme ceux des chrétiens au Moyen-Âge. Je veux dire, c'est des espèces d'imprécations qui ne veulent rien dire. Ouais. Vous êtes un athée, vous êtes un raciste, ça ne veut rien dire. Parce que Jean-Robin, qui est ton éditeur et qu'on salue, il me disait, non, mais en fait, Guillaume Fay, il n'est pas raciste. Je n'ai jamais été raciste au sens où on l'entend aujourd'hui, ça ne veut rien dire, raciste. Mais tu es ethno-différentialiste. Bah, je suis ethno-différentialiste, mais le mot raciste, c'est un mot, affectif, c'est un mot religieux. Être raciste. Alors qu'actuellement, on a du racisme officiel chez les Noirs, chez le CRAN, etc. Ils disent racisé, on va faire des séminaires racisés non mixtes. Ouais. Des séminaires. Donc c'est eux qui sont racistes. C'est eux qui sont absolument racistes. Bon, je ne suis pas spécialement raciste au sens où on l'entend, je dis simplement. Oui, au sens. La race est une notion biologique qui concerne les hommes comme les vaches, les chevaux, les. Ouais. Et tous les animaux du monde, parce que nous sommes des animaux, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas des purs esprits. Oui. Et on ne peut pas les mélanger. Ouais. On peut les mélanger à la marge, un petit peu, quoi, un petit peu. Ouais. Mais massivement, c'est impossible. Ça n'a jamais marché nulle part. Ça n'a jamais marché absolument nulle part. Ce que disait Aristote, toute société multiraciale est une société multiraciste. Oui, en dehors de cette non-fonctionnalité, on va dire, de base, quel est ton point de vue sur tu accordes de l'importance aux différences de quotient intellectuel en fonction des peuples Évidemment, mais en fonction des hommes et des peuples, il y a des différences de tout quotient. L'homme est différent, je veux dire. Il y a des différences musculaires, il y a des différences d'intelligence, il y a des différences de capacité visuelle, évidemment, il y a des différences. Non, mais c'est... Il y a des différences, mais on refuse parce qu'on est égalitariste, on dit. Il y a des différences de capacité intellectuelle, il y a des différences de toutes sortes de capacités physiques et mentales, non seulement entre les peuples,
mais entre les individus, entre les familles, mmh. Entre les sous-groupes ethniques, etc., bien sûr. Et je te pose la question, Guillaume, parce qu'au sein même de... Mais c'est la vie, ça, c'est la vie, ça. Au sein même du camp national, t'as beaucoup de gens qui ne veulent pas aborder cette question-là. Ah, bah, mais ils ont peur, Pourquoi ils ont peur ? Parce qu'ils sont, même au sein du camp, ce que t'appelles le camp national, c'est des gens qui sont victimes de l'idéologie dominante. Comme dans l'Union soviétique, on était victime aussi de l'idéologie dominante, même quand on se disait dissident. Eh bien oui, ils n'osaient pas aller jusqu'au bout. Et actuellement, les gens n'osent pas aller jusqu'au bout, évidemment. Donc on dit, vous êtes un salaud, vous êtes un ceci, vous êtes ça. Ils s'écrasent, ils n'osent pas aller jusqu'au bout. T'as pas l'impression que Soral, en fait, a introduit un peu le poison de l'antiracisme dans le milieu? Alors Soral, c'est la figure même du traître. D'accord. Bon, mais dans quel sens, enfin, pour toi? C'est-à-dire que Soral, c'est celui qui se dit... Je vais passer, machin, réconciliation, son truc. Je l'ai rencontré une fois au 50e anniversaire de la vie politique de Le Pen. Oui. Et je l'ai engueulé, j'ai dit, bon, il ne m'aura pas répondu, mais je ne vais pas parler avec un mec comme toi. Bon, très bien. OK, ouais. Mais simplement, un type comme Soral, c'est le gars qui se dit, je suis d'extrême droite pour des raisons de clientèle interne, avec Dieudonné, etc. Antisémite en plus, bien entendu, parce que c'est un marché aussi, l'antisionisme, l'antisémitisme. Mais je vais aussi me faire passer pour un pro-musulman, un arabophile et un islamophile. Parce que c'est le public de Dieudonné, dans son théâtre. Il y avait à la fois les copains d'Alain Benoît et les copains des Beurs. Il y avait les deux. Mais ça, c'est commercial. C'est une logique commerciale. Soral, c'est une logique commerciale. Ouais. C'est pas une logique idéologique. Si c'est un idéologue, c'est pas un idéologue. Il a aucune idée. Ses idées, c'est 0 plus 0 égale 0. C'est rien. Ouais. C'est commercial. C'est un mec qui fait du business autour de son truc. C'est tout. Voilà. Mais ceci étant, comment... Mais ça marche. Comment ça a pu prendre, justement? Comment ça a pu marcher autant? Parce que ça marche, parce qu'il y a dans la société des espèces de gros préjugés bien gras... Qui fonctionne, si tu veux. Les musulmans et les arabes sont des victimes, etc. Bon, voilà. Les israéliens sont des oppresseurs horribles et tout. Tu vois, bon. Il y a des espèces de gros machins, de gros trucs. Parce que, justement, j'avais pas prévu cette question, mais un des reproches que va te faire un mec comme Soral, il va dire, ouais, c'est un sioniste, un pro-juif, etc. Ben non, qu'est-ce que tu réponds à je ça dis, et non, je suis pas juif, déjà. Je suis pas pro-juif, pas pro-sioniste. Ouais. Maintenant, je vois ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, là. Ouais. Bah, c'est pas compliqué à comprendre. Les Israéliens n'ont pas le choix. Le Hamas, mouvement terroriste, payé par l'Iran, pousse en bouclier les adolescents, les adolescents de la bande de Gaza, qui sont en plus... il faut savoir que les Arabes de la bande de Gaza sont sous la botte du Hamas de manière totalitaire. C'est un mouvement terroriste. De manière à provoquer les soldats israéliens qui leur tirent dessus. Alors, comme l'a dit Golnadel dans un récent article, forcément, les Israéliens se font piéger sur le plan international. Parce qu'ils apparaissent comme étant des sales types qui tirent sur des enfants, quoi. Mais ils n'ont pas le choix, je veux dire. Ils n'ont absolument pas le choix, parce que les autres se précipitent avec des tenailles pour casser les barricades, etc. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se défendre. Bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le monde entier, on dit « Oui, mais c'est l'État d'Israël qui est un État terroriste, etc., qui est un État criminel. » Mais ils n'ont pas le choix, parce qu'on a dit qu'on allait les détruire. Donc, forcément... La seule solution, c'est de tirer. De leur point de vue, ils font ce qu'ils font. Malheureusement, ils sont piégés. Ils sont piégés par rapport au système international de relations publiques et de communication. Ils sont complètement piégés, ça c'est sûr. Mais ils ne peuvent absolument rien faire. Alors quand on me dit que je suis pro-israélien, moi je n'ai jamais dit ça. Moi j'ai simplement dit une chose, c'est que je n'ai rien contre Israël. Mais Israël est menacé par deux choses. Israël est menacé d'abord par sa démographie en berne face aux Arabes qu'ils ont admis dans leur propre territoire. Et deuxième chose, Israël est menacé aussi parce qu'il y a de moins en moins d'ingénieurs et de plus en plus de mecs qui vont étudier
les textes religieux sacrés complètement dingues, quoi. Tu veux dire qu'en fait, les Israéliens s'éloignent, on va dire, du rationalisme. Alors, il y a deux mouvements contradictoires en Israël. Ouais. Le premier mouvement, c'est le mouvement démographique, c'est-à-dire que c'est les Israéliens dynamiques. Il faut savoir que l'État d'Israël est l'État où il y a le plus grand ratio d'ingénieurs et de population au monde. C'est-à-dire que c'est là où tu as le plus grand nombre d'ingénieurs par rapport à la population. Bon. Et deuxième chose, donc il y a ce ratio démographique où ils ne font pas d'enfants alors qu'ils ont accepté des Arabes de leur population qui font des enfants. Et deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont des Juifs hyper religieux qui renoncent, qui vont coloniser les trucs en Cisjordanie. Ouais. Qui se livrent à des pratiques hyper religieuses, traditionnalistes, etc. Ouais. Bon, qui débouchent sur pas grand-chose. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est les deux grands problèmes d'Israël. Maintenant, moi, ce que je rajoute, c'est que nous, Européens, nous n'avons pas du tout intérêt, contrairement à ce que j'ai dit dans beaucoup de mes livres, notamment dans la nouvelle question juive, nous n'avons pas du tout intérêt à l'effondrement d'Israël. Mmh. Que ça serait un exemple dramatique. D'accord. Ça serait symbolique. Nous n'avons pas du tout intérêt à l'effondrement d'Israël. Maintenant, je rajoute que la manière dont Trump a défendu Israël en mettant son ambassade n'est pas très intelligente. Et n'oublions pas une chose, c'est que le vrai sionisme ne voulait pas de Jérusalem comme capitale, mais Tel Aviv. Je ne comprends pas le sens de cette nuance. Que veux-tu dire par là ? C'est-à-dire qu'il voulait être en rupture avec le passé. Ah, ok. Ouais, ouais. En disant Jérusalem, c'était nous, effectivement, mais maintenant, c'est les chrétiens. Je comprends l'idée, ouais. Et les Arméniens, on va faire une nouvelle capitale qui s'appelle Tel Aviv. D'accord. Ouais. Moi, c'est un juif qui m'a dit ça récemment. Il m'a expliqué ça. Il m'a dit bon. Est-ce que pour toi, les juifs antisionistes sont un peu les gauchistes du... Enfin, comment tu les vois, toi ? Alors, et les juifs antisionistes, moi, j'en connais pas mal. Il y en a beaucoup. Souvent, c'est une posture. Ouais. C'est une posture pour se préserver en France des Arabes et tout, hein, de l'islam. Ouais, c'est sûr. Y a des gens comme Attali, tout ça. Il y en a plein, hein, de juifs. Il y en a beaucoup, le journal Haaretz en Israël aussi. Hein. Alors Haaretz. Pour toi, Jacques Attali est un juif antisioniste Plus ou moins, oui, dans ses textes, oui. Ah oui Oui, oui, oui. Ouais. Oui, très. D'accord. J'ai lu des textes, oui. Et pas seulement lui, d'ailleurs, pas seulement lui. D'accord, intéressant. Une dernière question sur les juifs. Bon, tout à l'heure, quand tu disais les antisémites sont bêtes, il y a quand même une réalité. C'est que dans la limitation de la liberté d'expression, et notamment de la parole nationaliste, européiste, au sens anthropologique du terme... Ça a changé. Et je veux dire, il y a quand même des juifs qui empêchent des Européens blancs de dire ce qu'ils pensent en France, quoi. Alors oui et non, ça a changé, parce qu'actuellement, on s'aperçoit qu'il y a moins de répression. Je veux dire, la répression numéro un, elle est sur l'islamophobie, etc., oui. Mais pas tellement sur l'antisémitisme. On l'a vu récemment, le CRAN, etc. La répression de l'antisémitisme est quand même assez... Sauf si ça vient d'un blanc non-juif, non-musulman. D'accord, parce que même quand il y a des attaques au tribunal pour islamophobie, c'est la LICRA qui attaque parfois. Oui, la LICRA qui attaque, mais la LICRA m'a attaqué moi aussi. Tiens donc, oui. Oui, bon, mais ils sont obligés de le faire. Bon. Mais c'est tout à fait scandaleux, mais bon. Okay. Enfin, peu importe, mais... Tu n'as pas c'est intéressant, tu n'as pas ce ressentiment vis-à-vis d'une certaine élite juive, alors qu'il y a quand même chez eux une volonté de brimer la parole ethno-différentialiste quand même un peu en France. Je crois que les choses ont énormément changé actuellement. D'accord. Il faut savoir que ce sont les juifs qui sont victimes de manière assez massive d'un racisme arabo-musulman. Ça, c'est sûr, oui. Et c'est évident, on l'a vu avec les assassinats qui ont eu lieu récemment, ouais. Où même le tribunal a refusé de qualifier d'antisémite une attaque d'une dame qui avait été... Ah ouais, c'est dingue, ça. Qui avait été... Ouais. Bon, alors, on va me dire... Vous voyez, c'est les juifs qui dirigent. Ben non. Le tribunal était... Voilà, qui dirigeait le tribunal, voilà. Ouais. Bon, les flics qui étaient en bas, qui étaient en majorité d'ailleurs d'origine musulmane, n'ont pas réagi quand l'autre a crié Allah Akbar, a jeté la dame
par la fenêtre. Bon. Alors, je pense que les choses ont énormément changé par rapport à l'antisémitisme. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement vers un peu nos positions sur ça. Certains... Bah, c'est-à-dire que globalement, l'antisémitisme est devenu, est redevenu ce qu'il était avant l'affaire Dreyfus, de gauche, actuellement, d'accord, au nom de l'antisionisme. Bon. Mmh. Et rejoint certaines personnes de l'extrême droite, dont Soral, dont De Benoît, tout ça. Bon. Et que globalement, dans les milieux, disons, nationalistes européens, beaucoup se mettent, à ma suite d'ailleurs, à comprendre que l'antisémitisme et l'antisionisme est une énorme connerie. D'accord. Est une énorme connerie, est une énorme connerie historique. D'accord. Que ce n'est pas notre intérêt. Ce n'est pas notre intérêt. Moi, j'en arrive, moi, personnellement, moralement, je suis ni pro-juif, ni anti-juif, ni pro-chinois, ni anti-chinois, ni pro-japonais, ni anti-japonais, c'est pas mon truc. Bah, t'es un blanc, donc forcément t'es pro-Europe. Donc quoi. Je suis pro-européen, mais je considère que la plupart des juifs sont européens aussi de culture. D'accord, c'est ton. Bah évidemment. Mmh. Bah évidemment. Non, mais tout à l'heure quand tu parlais, c'est vrai. Spinoza, c'est l'Europe. Hein. Bon, oui, je suis désolé. Bon. Donc en fait, finalement, pour toi, les Israéliens sont des Occidentaux, quoi. Bah évidemment. Ouais. Donc, évidemment, donc, je vois pas. Et moi, j'ai toujours dit, et je sais que ça a choqué beaucoup de gens dans l'extrême droite. Non, mais. Mais maintenant, dans l'extrême gauche aussi. On est dans une émission libre, hein, là, je voilà, voilà. J'ai toujours dit que nous n'avons pas, nous, Européens, nationalistes européens, intérêt à ce que Israël et les Juifs s'effondrent. Nous n'avons pas intérêt. En sachant qu'il y a chez les Juifs, comme dans n'importe quel peuple. Il y a chez les villes des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. D'accord. Ouais. Bien sûr, bah oui, bien sûr. Par-delà la question géopolitique, tu sais, tout à l'heure, on parlait de l'art contemporain, etc. Tu n'as pas le sentiment qu'il y a une surreprésentation des artistes juifs dans cet art, de cette déconstruction? Toi qui es un esthète, tu n'as pas remarqué ça dans le cinéma Si. Comment t'expliques ça, en fait? Alors, il y a une surreprésentation, mais ça, c'est des questions sociologiques très profondes. Ouais. Il y a une surreprésentation qui date d'il y a très longtemps, mais qui n'est pas fondamental. C'est-à-dire que ça joue aussi chez beaucoup d'Européens, etc. Par exemple, l'art contemporain dégénéré est très représenté au Japon et en Chine, il faut le savoir. Ah oui, j'ignorais ça. Oui. Il y a évidemment, dans l'élite, ça m'a été expliqué par... Murakami, toute cette merde, c'est... Alors, il y a évidemment chez les Juifs, dans l'élite juive depuis très longtemps, il y a une espèce de pseudo-élite qui est décadentiste. Ça, c'est clair. Mais elle n'est pas représentative, je veux dire. Vrai. Et elle n'est pas représentative. Et en plus, elle est en déclin. Elle est en grand déclin. Dans l'art contemporain, dire oui, l'art contemporain dégénéré, c'est les Juifs, c'est faux. Et statistiquement, c'est faux. Ouais. C'est faux. Finalement, quand t'as dit que les... Bon, je connais pas trop l'histoire de l'art contemporain, mais si les Asiatiques s'y perdent aussi... Ah oui, est-ce que finalement, c'est pas une dérive de l'intelligence, une espèce d'intelligence qui tourne à vide, l'art contemporain? Ah bah, l'art contemporain, c'est parce le... Parce que les Africains vont pas faire de l'art contemporain, ou en tout cas vont pas faire exprès. Ils peuvent pas faire d'art non plus, art contemporain. Non, mais c'est intéressant que l'art contemporain, ça soit en Europe, en Asie, dans des pays très développés, finalement. Oui, parce que c'est quelque chose, l'art contemporain, quelque chose qui a été bien vu par une dame dont le nom m'échappe et que je connais, j'ai bouffé avec elle deux fois. Ouais. Haute de Cardros. Ok, d'accord. Qui est de Cardros, une bretonne. Et déjà, c'est vachement facile parce qu'il y a la conjonction de deux choses. Ouais. Il y a l'absence totale de capacité technique de sculpter, de peindre, etc. Je fais des gribouillis. D'accord. Bon. Ça a commencé avec Picasso. Picasso, ce que j'ai écrit dans mon blog, était une merde. Je répète, Picasso était une merde. Straight to the non, point. Non, mais straight. Non, mais Picasso est une merde. Non, mais vous, toi, Picasso. Il y a eu d'ailleurs un article récemment fait sur la toile de Picasso qui est sur ce bombardement qui a eu lieu. Guernica. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Guernica. Ouais. C'est lui après qui a dit c'est Guernica. Ah, mais c'est sa mère, sa sœur, lui. C'est du barbouillage. Mais c'est de la com, Picasso. Mais c'est de la com. Alors, je ne m'y connais pas trop en picasserie, mais on dit que Picasso, avant de faire de son style à la con... Il y avait la partie bleue, ce qu'on appelle. La paille bleue. Il sait faire du figuratif. C'est un peintre, mais un petit peintre médiocre. Ouais. Quand on lui a dit, vous n'êtes pas très bon... Ouais.
malin, s'est dit, oulala, je vais faire de la merde. On commence à faire des cubes. Je vais faire des trucs comme ouais, ça. On va tenter un truc, on va passer par là. Alors ouais. Il faut voir dans le Figaro d'aujourd'hui, le Figaro magazine d'aujourd'hui, le récent truc d'art contemporain à New York, c'est de la merde totale. Mais alors, donc pour répondre à ta question, il y a deux choses. Il y a comme Anne de Cabros ou Aude de Cabros l'a dit, ou Carros, je sais plus. Ouais. Il y a un, le fait. Il n'y a pas besoin. Il y a un, c'est génial. Ouais. Bah, c'est Jeff Koons hein, qui fait avec des ballons dans les trucs de Versailles. Ouais, tout à fait. Ou le vagin de la reine. Ouais. Un, il n'y a pas besoin d'avoir du talent. Donc, pas besoin de bosser. Bah, non. Pratique. Deux, ça rapporte beaucoup de fric. Ouais. Et trois, ce qu'il faut surtout, c'est de la com. C'est-à-dire des attachés de presse, tout un système. Jeff Koons. Puis des connards qui achètent ça. Les trois trucs donnent les connards qui achètent ça. Ouais. En sachant que, au bout de 10 ans, ça se cassera la gueule. Mais évidemment. Ouais. Mais on s'en fout. Ouais. Parce que tu fais des trucs, voilà. Ouais. Mais c'est de la merde totale, je veux dire. Moi, je suis admiratif de ces mecs, hein, qui, à mon avis, sont conscients qu'ils font de la zob. Mais ils gagnent une thune pas possible, quelque part, c'est les escrocs de notre époque, c'est génial. Quoi. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est des bourgeois français et parisiens qui disent qu'est-ce que c'est beau, putain. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, c'est beau. Ouais, c'est beau ouais. Ouais. Et en fait, c'est vraiment de. Ils nous considèrent trop cons pour comprendre ça, quoi. Mais alors, les Chinois, les Japonais suivent, malheureusement. Ouais. Pourquoi ils suivent alors qu'ils sont pas décadents comme nous? Bah, ils sont un peu dingos. Hein, mais ils sont un peu dingos quand tu aussi, regardes un peu le porno japonais, c'est un peu des dingos quand même. C'est un peu des dingos. Et ils sont fascinés par ce qu'on est, quoi. Ouais. Ils sont fascinés par ce qu'on est, quoi. Alors que par le grand paradoxe que personne ne connaît, parce que moi, c'est un pays que je connais bien, c'est les États-Unis. Ouais. C'est qu'aux USA, ça marche beaucoup moins bien qu'ici. Ah, je sais pas. Oui, bien sûr. Parce qu'on a cette idée un peu de New York aussi décadent à la Paris. C'est New York. C'est juste New York, quoi. C'est juste New York, mais aux USA, moi, l'autre jour, il y a un mois, j'étais à Nashville. Oui, c'est sûr. Tennessee. Ouais, ouais. C'est sûr que je vois mal le Wasp en plein milieu du Texas acheter une croûte. Nashville, Tennessee, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. C'est Châteauroux, toi. Ouais, d'accord. Toi, ça n'a rien à voir, quoi. Toi, c'est... Voilà, quoi, c'est... Quelque chose de très, très, très différent. Bon, très bien. Simplement, nous, je crois qu'aujourd'hui, en Europe, il va falloir se régénérer. Mm-hmm. Parce qu'on est vraiment, d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, etc., assez bas. Et surtout, le nerf de la guerre, ce que je répète en permanence, c'est la démographie. Ouais. Ouais. Non, tu es un peu loin du micro. C'est la démographie. C'est la démographie. On va, alors justement, on va faire une petite pause pour se détendre un peu. Et dans notre deuxième partie, on va parler d'une chose essentielle dans notre époque qui est l'islam, à travers ton livre « Comprendre l'islam ». Donc voilà, restez avec nous. Cette émission est vraiment super. Bougez pas. On revient pour du lourd. À tout de suite. Au Japon, il n'y a pas de barrière aux frontières. Il n'y a pas d'immigrés au Japon. Comment ça se fait? C'est curieux. Ben, je vais vous indiquer pourquoi. Moi, j'ai fait un seul voyage au Japon. Un Japonais me dit... Vous savez, avec un accent tout japonais, mais pas le terme français, vous savez, chez nous, eh bien, imaginez qu'il y a un clandestin qui vient de Thaïlande, de Corée, tout ça. On le traite, mais il n'y en a pas. Pourquoi? Il traverse la rue à Tokyo, le Shibunzen sans regarder. Il s'est renversé par une voiture, il a les jambes cassées. Qu'est-ce qui se passe? Vous, en France, il est tout de suite soigné gratuitement, ses enfants sont très chers. On le répare avec du fil de fer et on remet sur le trottoir. Alors, je lui dis, mais c'est monstrueux. Mais il dit, non, c'est pas monstrueux, ça se passe jamais. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas qui viennent. Le soir, vous avez des moustiques qui vous envahissent dans votre chambre. Un soir d'été, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez toujours, avec votre speed-up, chip, 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 vous les écraser sur le mur. Ça va salir votre mur, mais ça ne va rien faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut éteindre les lumières. Deuxième partie Vive l'Europe, toujours avec Guillaume Fay, un grand plaisir. Geoffrey est apparu à ma gauche, comme par magie, hocus pocus. Alors, on va parler plus particulièrement de comprendre l'islam. Déjà, je voudrais que tu nous dises qu'est-ce qui manquait dans la pensée nationaliste sur l'islam. Parce que beaucoup de bouquins sont écrits sur l'islam. Qu'est-ce que toi, tu as apporté avec ce livre? Bah, c'est-à-dire que, y a, comme toujours, quand un médecin voit un malade qui est malade du cancer... Ouais. Il se dit, bah, c'est pas la grippe, c'est le cancer. D'accord? Ouais. Donc je me suis dit, il y a quand même un problème fondamental depuis l'Antiquité. Ouais.
c'est que l'islam est en train d'envahir l'Europe. Faut-on parler ? C'est pas un problème grave ? Si, c'est un problème très grave. Oui. Alors on me dit, vous êtes islamophobe ? Oui. Oui. Je suis islamophobe. Tu ne nies pas ? Non seulement je ne nie pas, mais je le revendique. D'accord. Et en plus, on dit, c'est un péché, justement, d'être islamophobe. Bien sûr, c'est normal. C'était un péché d'être nasophobe quand les Allemands envahissaient la France. Ah oui. D'accord. Ce qui m'a fait écrire ce bouquin, c'est de dire l'islam est un ennemi fondamental de l'Europe. Il faut essayer de comprendre ce qu'est l'islam. C'est une religion et une idéologie totalitaire qui a le paradoxe d'être aimée par les gauchistes, etc., même par les féministes. Ouais. Les féministes qui, par exemple, sont pro-islamiques. Alors que l'islam est contre les femmes, c'est hallucinant, quoi. Ouais. Il y a là un paradoxe dément, quoi. C'est une maladie mentale. Il y a une maladie mentale face à l'islam. Il y a une islamophilie. Ouais. Islamophilie. Tu crois pas que c'est juste une adaptation à un monde nouveau qui arrive ? Inconsciemment, les gens s'adaptent. C'est pas une adaptation, c'est une soumission. Ouais, ouais. Comme l'a dit Houellebecq. Bah justement, qu'est-ce que tu as pensé de son bouquin ? J'ai pas lu, malheureusement, mais le concept est très bon. Ouais. Il y a une soumission. C'est-à-dire que l'Européen se soumet. Ils se sont soumis au nazisme quand le nazisme est arrivé. Ouais. Ils se soumettent à l'islam quand l'islam arrive. C'est tout. D'accord. C'est une lâcheté. C'est un phénomène de lâcheté. Mais il faut savoir que l'islam est fondamentalement et culturellement contraire à toutes les valeurs de l'Europe. Pas seulement du christianisme, du paganisme, etc. Qui est l'Europe dans son essence. Dans son essence. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement primitif. Primitif, régressif, idiot, stupide, et je n'agis pas à le dire, dangereux. D'accord. Dans tous les domaines, je veux dire, c'est quelque chose de... Ce qui est bien, c'est que s'il y a des musulmans qui tombent par là sur la vidéo, vous êtes habillés pour l'hiver. Mais j'en ai rien à foutre des musulmans, ils font pas peur, moi, les musulmans. Et là, on aime cette philosophie à Yves Laurent. Les musulmans, ils font absolument pas peur, je veux dire. D'accord. J'en ai rien à foutre des musulmans. Quand même. Non, ils font absolument... Non, non. Ouais, parce qu'ils ont une capacité de réaction, quand même. Attendez. Et alors, moi aussi. D'accord, ouais. Bon, oui, d'accord. Alors, Geoffrey a fait une lecture très attentive de comprendre l'islam. Il a quelques questions à te poser. Enfin, pas mal d'ailleurs. Alors vas-y, Geoffrey, je te laisse la parole. Hop. Bonjour, monsieur Farid. Je ne vais pas céder devant les musulmans. Hein. Tout d'abord, je voudrais revenir sur la première partie parce que c'est un honneur de vous rencontrer. Merci. En fait, je prends conscience que vous êtes un précurseur et je n'avais pas pris conscience d'à quel point en fait, vous aviez de l'avance sur certaines idées. Alors, je n'ai pas lu votre livre sur la nouvelle question juive. J'ai lu, non pas comprendre l'Empire, mais comprendre l'islam. Ouais, rien à voir. Et j'ai lu La convergence des catastrophes. J'ai aussi écouté des vidéos de vous. Et là, je vous ai écouté en première partie. Et c'est pas du tout pour vous flatter, mais c'est pour essayer de remettre les choses dans l'ordre, de remettre les choses à leur place. Et donc, vous êtes un homme, vous avez une expérience, vous avez vécu des choses différentes. Vous n'êtes pas juste un type qui a fait toute sa vie de la politique, comme vous l'avez dit. Vous avez navigué un peu en entreprise, vous avez été à Skyrock, etc. Et il y a notamment une chose que vous avez dit qui m'a marqué, c'est que vous avez dit qu'en fait, que les gens qui parlent du traditionnalisme européen se trompent, puisque la véritable tradition européenne, c'est l'innovation. Et j'ai jamais entendu cette idée, mais c'est vrai que quand vous parlez des cathédrales, quand vous parlez de l'évolution architecturale, vous en parlez peu, mais je comprends ce que vous voulez dire. Quand vous parlez que certains nigauds voudraient revenir au marteau de Thor ou je ne sais quel truc complètement mystique, complètement dépassé, qui pensent et que ces gens-là pensent que c'est ça l'esprit européen, et qui évidemment se fourvoient. Et moi, ça m'a marqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel, mais je n'avais jamais entendu cette idée. Je suis d'accord, mais j'attends ta question pour le dire. Non, il n'y a pas de question. Je veux juste dire que c'est tout. C'est... D'accord. Et voilà, par rapport au fait que vous soyez un précurseur. En fait, finalement, bon, vous êtes, y a des intellectuels nationalistes, on va dire. Vous n'êtes pas nationaliste, mais on va dire occidentaliste, européiste. Et il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein.
J'en compte pas beaucoup. Et je ne mets pas Alain de Benoît dans la catégorie. Hein. Ça, il n'existe pas pour moi. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup d'hommes comme vous qui ont eu ce parcours de lucidité, de bon sens, puisque finalement, nos idées, ce ne sont que du bon sens. Moi, je ne vois pas du tout d'extrémisme dans votre discours. Je vois juste un homme qui essaie de... Parce que je dis ça parce que, encore une fois, c'est important. Et je voulais revenir là-dessus. Voilà. Alors, pour reprendre mes questions, bah, bien sûr, mes questions sont là, donc je vais les donner. Alors, vous avez écrit « Comprendre l'islam ». Votre livre est clair et direct. Il est facile et plaisant à lire. Vous expliquez en quoi l'islam est une idéologie religieuse qui veut tout dominer. Mais pour vous, l'islam a une particularité par rapport aux autres monothéismes, c'est qu'il ne peut pas se réformer. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est très intéressant, pourquoi selon vous l'islam ne peut pas se réformer ? Parce que l'islam est fondé sur un texte, le Coran, Quran, son vrai nom, qui est, d'ailleurs c'est une contradiction totale, qui est un texte qui aura été donné par... l'ange Djibril, Gabriel, à Mahomet, et non pas par Dieu lui-même, parce que, évidemment, ce n'est pas... Donc, une connerie totale, c'est-à-dire quelque chose de dément, quoi. Et qu'on ne peut pas, modifier la loi, on ne peut pas modifier le texte divin. Alors que la Bible, juive ou chrétienne, les deux textes, juive et chrétien, c'est pas des textes directs de Dieu, c'est des textes des prophètes, alors que là, le problème du Coran, c'est que c'est directement la parole de Dieu donnée par l'intermédiaire du moine, enfin du prophète Djibril, à Mahomet, qu'on appelle le prophète Mahomet, c'est pas un prophète d'ailleurs, c'est un oracle, c'est l'oracle Mahomet, son prénom. Donc c'est une imposture complète, quoi, je veux dire, c'est imposture. L'islam est une gigantesque plaisanterie, quoi, je veux dire. Pourtant, il existe des musulmans réformateurs. Mais ils sont très minoritaires et ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Mm-hmm. L'islam peut pas être réformé, on peut pas réformer la parole de Dieu, soi-disant de Dieu. Enfin, c'est une plaisanterie, etc. L'islam globalement, je le dis franchement, l'islam globalement est une énorme imposture et est un déclin complet de la pensée humaine. Je veux dire, c'est quelque chose. Mais pourtant, je veux dire, les musulmans français, ils n'appliquent pas la charia entre eux, ils coupent pas les mains des voleurs et ils arrivent, semble-t-il, à coïncider leur islam avec leur identité française. Oui, oui, pour l'instant, diable, pour l'instant, normal. Oui, pour l'instant. Mais nous n'oublions pas la taqiya, c'est-à-dire la possibilité de mentir. Pour l'instant. Mais l'islam, ne l'oublions pas, comme le communisme et comme le nazisme, ça a été les trois systèmes totalitaires de l'humanité. Et actuellement, ils sont chez nous. Il ne faut pas l'oublier, ça. D'accord. L'islam est un système totalitaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que c'est un système qui vise... le contrôle total de la société au nom de son idéologie. Mmh. Et si toi, tu n'es pas musulman, tu ne vas pas à la mosquée, tu ne fais pas ceci, cela, on t'égorgera, mon pote. Hein. Mmh. Tu n'auras pas la liberté. Surtout que là, on est en train de boire du vin alors que c'est le ramadan. Manger du porc, c'est moi, je suis islamophobe et je le revendique. Et le fait que la République française condamne l'islamophobie prouve que la République française et ces magistrats corrompus sont des collaborateurs, comme ils ont été collaborateurs des nazis. Ils sont aujourd'hui collaborateurs des musulmans envahisseurs. Ça a toujours été le cas de la France, c'est comme ça. Moi, je résiste, et toute personne qui m'emmerde, je partirai en Russie. D'accord. Bon, on souhaite quand même un joyeux ramadan, peut-être, non, Daniel ? Voilà, on va dire ça comme ça. Mais je ne suis pas contre les musulmans. Non, mais je plaisante. C'est juste une plaisanterie, j'aime bien plaisanter. Bien sûr. Mais ils auraient la foutre chez nous, c'est tout, voilà. Oui. Bon, bah alors, selon vous, donc, le seul salut pour un musulman, c'est de quitter l'islam. Un musulman intelligent qui se pose des questions, etc. Mais non, il fait ce qu'il veut, un musulman intelligent. Non, mais je veux dire, au titre personnel, pour vous, le seul salut, c'est pas la réforme de l'islam, c'est pour vous, c'est qu'il doit quitter l'islam, en fait. Ben non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont insérés dans un système religieux
totalitaires, etc., ils font ce qu'ils en veulent. C'est leur logique, etc. Bon, c'est leur logique, mais qu'ils ben, qu'ils viennent pas chez nous nous emmerder, c'est tout. Quoi. D'accord. Point final. Mais si chez eux, dans leur pays, ils veulent garder ce système, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils oppriment les femmes, ils se rendent malheureux eux-mêmes, je veux dire. Ouais. Vous voyez ce que c'est que la vie quotidienne avec l'islam, c'est pas drôle. Hein. Même pour un musulman, c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle. Moi, souvent, dans la rue, je vois des femmes musulmanes, je vois pas beaucoup de bonheur dans leur visage. Bah non, mais c'est pas bonheur, parce qu'ils s'oppriment eux-mêmes. Déjà, tu vois pas leur visage, donc. Non, je vois pas leur visage. En Afghanistan. Bon, bah, dire, mais qu'ils dégagent de chez nous, je veux dire. Que chez eux, ils fassent ce qu'ils veulent, on s'en fiche. Je veux dire, mais pas chez moi, c'est tout. Ouais. Pas chez moi, c'est tout. Bah, t'as une question très intéressante, je sais pas pourquoi j'ai envie de la poser moi, mais est-ce qu'il y a des... peut-être, ouais, je m'adore, j'adore m'entendre parler. Guillaume, est-ce que pour toi il y a quand même une différence entre sunnisme et chiisme? Alors, oui, alors il y a une différence essentielle, ouais. C'est une différence interne, c'est-à-dire que c'est une différence interne, mais qui est purement théologique, mais qui n'a pas grand-chose à voir, c'est que les chiites sont d'origine... perse et pas arabe, donc plus intelligent que les arabes sunnites, voilà. Et donc forcément c'est eux qui ont dominé, pas oublier que c'est l'ayatollah Khomeini qui a boosté l'islam, attention, dans les années 80, et c'est pas les sunnites, c'est les chiites, alors que les sunnites sont majoritaires. Donc là ça pose un énorme problème, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de l'islam, le gros problème il est là. C'est des chiites qui ont boosté la renaissance de l'islam, bien que les sunnites soient majoritaires. Pourquoi ? Parce que les sunnites sont d'origine arabe et que les chiites sont d'origine perse et que les perses sont plus intelligents que les arabes. Tout à fait. Voilà. C'est la question. Voilà. Ma réponse, elle est là. Okay. Vous allez me dire, c'est une réponse ethniste. Eh oui, c'est comme ça. Ouais. Eh ben oui, c'est comme ça. Eh oui, oui. Eh ben oui. L'ayatollah Khomeini est plus intelligent que les imams arabo. Du Golfe, etc. C'est des abrutis complets. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a peut-être une ouverture d'esprit un peu supérieure dans le chiisme, mais parce qu'ils sont plus intelligents. Pour vous, mais c'est parce comme que ça que c'est, vous voyez. Parce que c'est des Iraniens. Parce D'accord. que c'est des Perses, c'est tout. Ouais. Parce que c'est des Perses. Vous avez vu leur gueule? Vous avez vu la gueule du Banzouzou, halala, zazaba. Ah, c'est ouais, gueule, je, ouais. Je vois, ouais. Et vous avez entendu parler, ouais. Par contre, vous avez vu la gueule du... bah, vous avez compris. Vous avez vu la gueule d'un imam ou d'un mollah perse, ben c'est un perse. Il n'a pas la même gueule, il n'a pas le même langage, c'est pas la même génétique, c'est pas pareil. Ça, c'est l'homme, hein. Ouais. Une vache de Normandie, c'est pas une vache du Holstein, c'est pas pareil. Voilà, c'est pareil. C'est pareil pour l'homme, c'est comme ça. Alors vous allez me dire, je suis raciste. Ben oui. Oui, mais nous aussi, donc en fait, il n'y a pas de problème, enfin, on est entre amis. Page 260, vous dites « Depuis le 7e siècle, les apports de l'islam et de la civilisation arabo-musulmane à l'humanité ont été infimes sur les plans philosophiques, scientifiques, politiques, poétiques, littéraires. » Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage de bah, ça ? C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que les civilisations islamiques, de manière globale, par rapport aux autres, on donnait même pas de philosophie. Un exemple très simple, l'ensemble de la littérature arabo-musulmane pendant toute l'Antiquité, jusqu'au XVIe siècle, a été inférieure à la littérature portugaise du XVIIe siècle. Wow, d'accord. C'est intéressant. Ouais. Oui, oui, c'est frappant. En volume. Hein. En volume, ouais. Voilà. Bon, pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que vous les avez regardés, comme disait le général de Gaulle. Ça me fait penser. Vous les avez regardés avec leur gandoura et tout. Dans la même ordre d'idée. Vous imaginez qu'ils vont écrire des livres, etc. Dans le même ordre d'idée. Ah là, zouzou, ah zouzou, ah zouzou. Ah bah non. Guillaume, vous savez, tu sais qu'il y a le nombre d'heures par an qu'il consacre à la lecture. En fait, en Europe, c'est, je sais pas, en moyenne, un Européen lit 11 livres par an. Et en fait, au Maroc, c'est 2 heures par an de lecture. 4 pages
par an, je crois, en moyenne. Alors, autre question, comment ça se fait qu'un chef d'État africain ou d'une autre région d'Afrique du Nord ne prend jamais un avion piloté par un de ses coreligionnaires ou compatriotes, ni se fait opérer par un de ses... comment ça se fait ? Comme Bouteflika. Pas seulement Bouteflika. Qui vit en France, qui est un pays où il parle tout le temps, qu'il a colonisé. Voilà, à Zozo. Voilà, on peut résumer ça comme ça. C'est vrai que on peut leur argument, ça devient un borborisme qui répond, qui devient un argument, quoi. Ok. Oui. Alors, selon vous, est-ce qu'il faudrait interdire l'islam en Europe ? Alors, difficile de répondre à ces questions. On pourrait aussi poser l'autre question. Est-ce qu'il aurait fallu interdire le nazisme ? Parce que je ne réponds pas à cette question, je ne sais pas, je ne suis pas politique. Mais il y a une parenté évidente entre l'islam et le nazisme. Cette parenté est l'exclusion et la tolérance. Voici une religion et une idéologie qui sont totalement intolérantes. Tout à fait, oui. Donc l'interdire, je ne sais pas. Tout au moins faire en sorte que ça n'existe pas. Mais pour moi, islam et nazisme sont deux choses extrêmement proches. Alors je sais que ça va provoquer des réactions en disant que je suis islamophobe. Mais oui, je suis islamophobe, bien sûr. Bien sûr, je revendique. Je suis fier d'être islamophobe. D'accord. Bon, Daniel, moi j'en ai fini sur la partie sur l'islam. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Est-ce que tu veux que je reprenne, continue ma partie ? Ok. En fait, je me suis aperçu en m'intéressant à vous que vous étiez un intellectuel assez marginalisé dans la sphère, on va dire, nationaliste. Ce qui est normal. C'est normal, mais je me demandais pourquoi, en fait. Parce que voilà, je me suis intéressé à la raison pour laquelle vous étiez marginalisé. Alors, je me suis aperçu qu'en 2007, vous avez écrit un livre qui m'a semblé assez audacieux, intitulé « La nouvelle question juive ». Ah oui. Un livre aujourd'hui, d'ailleurs, introuvable. Je n'ai pas réussi à me le procurer. Ah bah si, si, sur Internet. Oui, bah d'accord. Oui. Alors, il paraît que dans ce livre... Mais toi, tu sais que t'as pas voulu payer 60 balles, ça, la vraie. Oui, voilà, d'occasion. C'est sûr, je peux l'acheter d'occasion, mais bon. Alors, il paraît que dans ce livre, vous présentez la thèse que l'influence du lobby juif est en déclin en Occident et que nous autres nationalistes devrions soutenir Israël dans sa lutte contre ses voisins arabes. Alors, est-ce que c'est le cas ? Qu'est-ce que vous dites dans ce livre ? Bah, moi, ce que je dis, c'est un constat, quoi. Je veux dire, il est bien évident qu'aujourd'hui, le lobby, ce qu'on appelle le lobby juif, est en déclin total, quoi. Mmh. En déclin total pour vous ? Ah bah oui, bien sûr. Ah il y a quand même des officines qui poursuivent les nationalistes. Oui, d'accord. Il y a quand même des intellectuels juifs, mais d'accord, beaucoup mais à la globalement, télévision. Globalement, on voit que les magistrats ne poursuivent plus tout un tas de choses qui se passent contre des juifs, etc., des agressions, etc. Bon. D'accord. Que globalement, le fait, surtout pour un arabo-musulman, d'être antisémite, c'est mieux péché, quoi. Ouais. Si vous êtes d'extrême droite, c'est un péché encore, bien sûr. Et il est bien entendu que les intellectuels juifs sont toujours les mêmes, ils n'ont pas changé, quoi, bien sûr. Mais globalement, il y a un renversement des tendances très clair, quoi. C'est-à-dire que la gauche redevient antisémite. Ah oui. Et anti-israélienne et antisémite. Même si des intellectuels juifs, etc., sont coussi coussa, ne savent pas quoi faire, quoi. Globalement, des gens comme moi, etc., il y a un renversement, c'est-à-dire que... Alors, je n'ai pas chez des gens comme Soral et toute la bande de Benoît, tout ça, mais... Et globalement, des gens comme moi et d'autres, nous soutenons en France les intérêts de la communauté juive. Pour des raisons à la fois très
très pratique. Je veux dire, hein. Mais attendez, au sens, en fait, au sens où on strict, vous êtes sioniste. Peut-être tout à l'heure, vous l'avez nié. Alors, sioniste, oui, bien sûr. D'accord. Mais ça soit formulé, quoi. Non, mais ça veut rien dire sioniste. Pro-israélien, disons. Ah, bah, bien entendu, j'ai toujours été. Oui, non, mais c'est ce qu'on entend par sioniste dans nos sphères. Non, mais sioniste, ça ne veut rien dire. Sioniste, ça veut dire on ne peut pas être sioniste, on n'est pas juif. D'accord, oui, d'accord. C'est vrai, tout à fait. Ah oui, sioniste, ça veut dire, c'est un terme historique. Bon, ouais. Je ne suis pas sioniste, je ne suis pas juif, je ne suis pas sioniste. Ouais. Mais je suis pro-israélien, bien entendu. D'accord. Bien entendu. J'ai toujours été. Et j'ai toujours dit, notre intérêt est... que Israël résiste, bien entendu. Mmh. Moi, je me rappelle en 1967, quand il y a eu la guerre israélo-arabe en 67. Mmh. Mon père, donc, qui est mort actuellement, il y a eu cette guerre et il y a eu dans le journal Combat cette une, Israël debout. D'accord, Israël debout. Et mon père, qui était à l'époque absolument pas, c'était un catho pratiquant et tout, m'a dit, nous devons défendre Israël. Ça vous a marqué, ça? Oui, m'a marqué. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout pro-juif. Attention, je ne suis pas du tout pro-sioniste. Mais je dis, Israël, on ne peut pas laisser tomber Israël. Vous l'êtes un petit peu quand même, alors, mais bon. Non, pourquoi? Parce que si on laisse tomber Israël, ça sera un symbole. Si Israël tombe, et ce qui s'est passé à Gaza, c'est le cas, ça sera un symbole que l'Occident, que nous, on se casse la gueule, quoi. Ouais. Face aux arabo-musulmans, bien sûr, et face aux Africains aussi, qui les détestent aussi. Qu'il y a un antisémitisme majeur auprès des Noirs, bien sûr, évidemment. Je ne sais plus dans quel bouquin il dit ça, mais Rebatté, il y a une phrase de Rebatté qui est assez marquante. Il dit qu'en fait, le projet d'Israël, le projet sioniste, est le seul moyen de désenjuiver le juif. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Ouais. C'est-à-dire le sortir de son nomadisme, l'enraciner, etc. C'est-à-dire le en faire un peu, oui, bien sûr, ouais. Évidemment. Bien entendu. Mais en même temps, il ne faut pas dire ça à un juif comme ça. Oui, je comprends. Ouais. Moi, je connais des juifs. Par exemple, j'ai une amie juive américaine qui est très connue. Je ne dirais pas son nom parce qu'elle est... c'est une grande intellectuelle de la... Très bien. Et elle m'a dit une chose intéressante. Mmh. Elle m'a dit, tu sais... je suis forcément juif, mais je déteste Israël. J'ai dit, why? Pourquoi? C'est à New York, pas ça dure. Elle dit, parce que les Israéliens sont contre nous. Parce qu'ils veulent, elle avait raison d'un point de vue philosophique, parce qu'ils veulent avoir un État et un truc, alors que nous, on veut avoir simplement... On veut être nous-mêmes dans le monde, comme peuple, comme religion, etc. Mais ils veulent avoir un État comme les Goyes, comme les Gentes, comme les gens, tu vois. Ah oui, vous voyez une trahison de son essence. Une trahison, et ça, voilà. Et ça, c'est un truc qui est très, très fort à les New-Yorkais, oui. Ouais, ouais. Très fort. D'accord. C'est Woody Allen qui, tout à coup, se rebelle, en fait, dans l'idée, c'est... On veut nous rendre non-juifs. On est bien en tant que juifs. C'est drôle. Alors, tu as écrit un autre livre qui est La convergence des catastrophes. Oui. Pourquoi tu l'as écrit sous pseudonyme, ce livre? Parce que je voulais qu'il soit... Guillaume Corvus, oui. Parce que je voulais qu'il soit mieux édité que sous mon nom. Quoi. Ah oui? D'accord. Ouais. Est-ce que la stratégie a fonctionné? Non. D'accord. Mais qu'est-ce que tu appelles la convergence des catastrophes, en fait, pour les gens qui n'auraient pas lu le livre? Bah, le fait qu'il y a, sur le plan écologique, immigration, tout ça, ouais. Dans tous les domaines, il y a une convergence des mauvaises nouvelles, quoi, qui fait que notre civilisation peut s'effondrer. Parce que pour la première fois dans l'histoire, on a
une convergence, immigration, catastrophe écologique, etc., bon, qui vont dans le même sens. Ouais, ouais. Voilà, c'est tout. Il y a Piero San Giorgio qui a écrit il y a quelques années un livre qui est la Survivre à l'effondrement économique. Tu penses vraiment qu'il y aura un effondrement économique, toi ? Non. D'accord. En vertu de quoi ? Enfin, qu'est-ce qui te... L'homme se reprend toujours. Mm-hmm. Ça se reprend toujours. Mais il y aura des catastrophes, pas des effondrements. Ouais. Il y aura des catastrophes, pas des effondrements. Mais d'ailleurs, M. Fay, vous avez quand même prophétisé... un chaos ethnique, une guerre ethnique, inter-ethnique. Ah ben on ira, mon prochain bouquin, c'est vers la guerre civile ethnique, on ira vers une guerre civile. Vous y croyez à ça ? Oui, bien sûr. À quelle échéance ? 10 ans à peu près. Donc 2030, quoi. Oui, c'est ça. Mais on aura une guerre ethnique extrêmement grave. Mm. Malheureusement, ce sera une guerre ethnique où les Européens ne se battront pas. Ah, c'est inquiétant. Bah non, ça, mais ça. Seule la police se battra. Et encore. Est-ce que vous pensez qu'il y a une capacité de réaction qui est plus importante bah, tout à coup, voilà que je te tue. Ah non, il n'y a pas de capacité de réaction. C'est-à-dire, en fait, par exemple, en Europe centrale, est-ce que tu ne penses pas que des peuples ont mieux résisté que d'autres ? Oui, en Hongrie, etc. Oui, bien sûr. Oui. Mais en Europe de l'Ouest, ils sont complètement dévirilisés. Bien tu sûr. Penses même que s'il y a vraiment plusieurs attentats par semaine. Ils font rien, ils font rien. T'abuses, ils n'ont rien fait. T'as eu 148 morts depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Français ? Rien. Ouais. Donc, t'es quand même assez pessimiste. Bah, finalement, je vais te laisser la dernière question. Mais que la France, en fait, l'avenir de la France, est-ce que tu y crois encore ? Non. D'accord. Bon. Enfin, OK. Non, mais c'est-à-dire, quel est ton diagnostic sur 15-20 ans en France ? Mon diagnostic, c'est que ça va se casser la gueule et que quelque chose d'autre va se passer. Mais je ne crois pas du tout à la France. Macron. Tu crois... Parce que tout à l'heure, on a parlé du bouquin de Houellebecq. Tu penses que l'islam peut devenir une force politique ? Bien sûr, mais ce n'est pas qu'il va devenir, c'est qu'il devient. Tu as vu les hôpitaux ? Tu as vu combien de gamins, de gamines naissent dans les hôpitaux actuellement ? Ouais. Oui, avec une forte prédominance du prénom Mohamed. Et... Ah, la razazazazazou ! T'as un razazazazou ! Ah oui, bien sûr. D'accord. Ah, je suis raciste, bien sûr. Oui, oui. Bah oui. Ah, bah c'est. Ah, je suis désolé. Il y a une progression dans l'interview quand même. Comment dire ? Donc, alors, c'est intéressant parce que j'allais te demander tes projets. Je vous emmerde tous. Et tu l'as, c'est bien. On est d'accord avec toi. Ton prochain livre, donc, ça va s'appeler. Enfin, c'est sur la guerre ethnique. La guerre civile ethnique. C'est le titre ? Oui. Extraordinaire. Moi, je l'achète directement. Où est-ce qu'on le précommande, quoi ? Ah, bah, il faut que je trouve un éditeur, mais je vais en trouver un. Ah, Jean-Robin ne va pas t'éditer ça, tu penses ? Bah, on va voir. Je vois avec lui déjà. Ouais, d'accord. Je vais voir avec lui s'il a le courage de le faire, mais j'en sais rien. Ok. Autrement, je vais boire les Russes. D'accord. Mais avant, je vais faire 2 autres livres qui sont en préparation. Oui. Qui sont des romans. Ah, très intéressant. D'accord. Voilà. Tu vas en dire quelques mots ou tu veux préserver le mystère ? C'est un peu un mystère. C'est un roman qui s'appelle, il va s'appeler le... Ah, c'est... Comment ? Ah, il y a deux, je fais deux romans. Il y en a un qui va s'appeler. Non, je préfère ne pas en parler. Ah, non, mais il n'y a pas de souci. Si tu ne veux pas te faire voler l'idée, etc., c'est très bien. Tu ne veux même pas non, le dire. Non, quoi. Non, mais non, moi, je parlais non. Plutôt en termes de thème. Ça va être quoi ? De la science-fiction ? Ça va être, Oui, c'est un peu de la science-fiction. C'est le président des États-Unis qui se fait assassiner. D'accord, ok. Donc, politique-fiction, ouais, très bien. Politique-fiction. D'accord. Ça s'appelle Le Voyeur Jaloux. Ok. C'est un mec qui tue le président des États-Unis oui. Parce qu'il est voyeur et il ne sait pas que c'est lui. D'accord. Il est amoureux d'une femme sur son balcon. Ah, t'as beaucoup d'imagination. Hein. T'es pas beaucoup, seulement un idéologue, toi. T'es vraiment quelqu'un. Non, non. Qui... Et après, là, je fais un livre de nouvelles. Ah, ouais. Ouais, beaucoup de nouvelles de science-fiction. Qu'est-ce qui fait que t'es autant attiré par la science-fiction ? C'est ton côté un peu populo, quoi. Enfin, c'est... Oui, c'est ça. Et puis que j'ai beaucoup lu les livres de Philip K. Dick, etc. Quoi. Mmh, ouais, tout à fait. Ouais. Très attiré par la science-fiction, par tout ce qui est imagination, quoi, toi. Tu aimes aussi le cinéma populaire de science-fiction, comme Carpenter, oh, etc. Oui, oui, bien sûr, ouais. aussi, bien sûr. Geoffrey, tu as peut-être une dernière question avant qu'on libère Guillaume. Par rapport à la guerre civile, donc, tu penses ou vous pensez que les Français, les civils ne feront rien, mais ce sera la police française qui se battra. Oui, elle se battra dans un premier temps, mais elle perdra la guerre. Uh-huh. Et l'armée française, pourquoi gagnerait-elle la guerre ? La France ne fera rien, elle est déjà complètement infiltrée, la française.
D'accord. Donc pour toi, l'islam. Bien sûr. Bah, on est un peu dans la merde. Parce que si ni la police ne se bat, ah bah, ni l'armée. On n'est pas un peu dans la merde. On est. Tu as eu la curiosité de lire les simplement moi je me battrais, c'est ouais. Le problème. Les bouquins d'Oberton comme Guérilla, tu les as lus? Oui. Ça, tu apprécies? Enfin, quel est ton point de vue là-dessus? La guérilla ne peut se gagner que si t'es majoritaire. Ouais. C'est tout. Mais attends, les blancs sont encore un peu majoritaires, non? Pour une dizaine d'années. De moins, oui. Alors pour une dizaine d'années, mais ils le sont plus dans la jeunesse. C'est ils vrai. Ils le sont plus et ils le sont plus dans les gens. Combatifs, ils ne sont plus maintenant. C'est évident quoi. Je veux dire, mais si on envisage l'entièreté du monde blanc, est-ce que tu es confiant ou pas? Non. Ah, d'accord. C'est-à-dire que tu penses vraiment que l'Occident, au sens large, va s'effondrer? Il y a un risque énorme, oui. Oui. Il y a un risque énorme. Un peu moins dans l'Est de l'Europe et en Russie, mais quand même. Il y a globalement, même sur le plan démographique, il y a un risque. Il faut savoir que même les Russes. Ne renouvellent pas leur population. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui. Mais il y a quand même des politiques qui sont menées par Poutine, un peu nataliste. Oui, c'est nataliste, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça n'a rien à voir avec l'islam, mais tu es inquiet un peu de la démographie des Asiatiques aussi. On sait que les Chinois recommencent à faire des enfants. Ils recommencent un peu ouais. Mais ils sont tellement nombreux. Non, le problème, c'est les musulmans et les noirs, quoi. C'est l'Afrique. C'est une énorme démographie, on ne se rend pas compte. Ouais, c'est clair. Bah, le Nigeria, par exemple, c'est colossal. C'est colossal. Hein, ouais. Ils sont peut-être pas musulmans, mais enfin. Non, mais attends, mais il faut savoir une chose, c'est que comme quand on va chez le médecin, le médecin il te dit le problème c'est des trucs évidents quoi. Ouais. D'accord. Non, mais on est d'accord. Mais c'est bien de formuler l'évidence. Tu sais, dans le milieu national, il y a également des tabous qui sont pas. Et je crois qu'on les a bien brisés ce soir, ces tabous-là. Non, mais il y a combien d'enfants, en fait, combien d'enfants par an, quoi. Ouais. C'est mathématique, quoi. C'est de l'éthique mathématique. C'est même pas mathématique, c'est une démographie. Oui, c'est mathématique, quoi. C'est arithmétique. Combien? Moi, Geoffrey, ouais, toi, il faut commencer, quoi. Non, mais à toi ou à d'autres. Moi, voilà, un, combien? Mais c'est vrai que c'est dur de rivaliser, quoi. Ouais. Combien d'enfants? Moi, je vois une petite amie arabe, elle me dit, t'as combien? Moi, je fais deux ou quatre enfants. J'ai une copine blanche, elle me dit combien j'en ai, quoi. Zéro. Oh. Et comment ça va se finir, à ton avis? Ouais, c'est sûr. Dans 10 ans. Oh, je sais pas, tu sais pas, moi je sais. Ce qui est malheureux, c'est qu'elle s'en fout, c'est ça le problème, quoi. Elle s'en fout. Ouais. Don Quichotte, qu'on se bat un peu contre des moulins, non, quoi. Non, puis elle me dit, mais je sais quand t'es raciste. Alors, je dis, bien sûr. Ouais, apparemment, le fait que toi, Guillaume, tu sois raciste, ça l'inquiète plus. Que Fatima fasse 5 enfants et elle 0, apparemment. C'est quoi. Ça. Okay. Non, mais non, moi, j'ai un truc maintenant qui les fait taire tous en modité islamophobe et raciste. J'ai dit oui. Oui. Et là, c'est vrai qu'ils sont emmerdés parce qu'ils sont habitués à entendre non à cette question. C'est comme un taser, en fait. Ils essayent le taser, il ne marche pas. Ouais, t'arrêtes pas, en fait. Ouais, c'est vous êtes islamophobe? Oui. Être raciste? Oui. Mais je dis non seulement je suis raciste, mais je suis le théoricien numéro 1 du racisme, comme a dit Alain Benoît. Ah, c'est bien, Alain Benoît. Qui vous a trahi? Qui a trahi le racisme? Qui a trahi le racisme? En devenant mélanchoniste. Voilà, ouais. Ils sont là. Qu'est-ce que je vais faire? Il a demain un procès. Bah, écoute, en tout cas, on lira ton prochain livre avec plaisir. Merci de l'interview, mon cher camarade. Écoute, merci pour ta qualité humaine et merci pour tes livres. J'ai pris un grand plaisir à découvrir certains de tes ouvrages. Je vais en lire d'autres. Et à très bientôt, l'ami, vraiment. Ah, tu reviens quand tu veux dans Vive l'Europe, parler de n'importe quel sujet. D'accord. Invité permanent de l'émission. Prochain sujet, l'éruption solaire. Avec plaisir. Et pourquoi pas même une émission spéciale science-fiction, parce que j'adore également la science-fiction. Oui, alors moi, j'ai une idée. Ouais. Enfin, dans mon prochain bouquin, c'est un truc dément, on en parlera plus tard. C'est le drame de l'émission, de l'éruption solaire. Oui. Le danger, quoi. Danger, ouais. C'est-à-dire que plus d'électricité. D'accord. Plus de d'émissions hertziennes possible. D'accord. Ça réglerait le problème de l'islam en même temps. Tous les problèmes. Ça s'est passé en 1859. D'accord. En 1950. En 1959, l'époque. À l'époque, il y avait que. Il y avait que locomotive à vapeur.
Ouais. Et le gaz, c'est tout. Et pas l'électricité. D'accord. Actuellement, ça se passerait, ça serait une catastrophe totale. C'est très intéressant. C'est-à-dire, tu as un côté un peu Barjavel. Je ne sais pas si tu as lu Barjavel. Oui, oui, je mais totalement dans cette idée-là. C'est-à-dire que quand on a laissé tomber la vapeur, l'électricité nous met un peu à nu. Quoi. C'est-à-dire que si tout à coup, il y a un problème électrique, on est mort. Quoi. Et la connerie, c'était de prendre l'électricité. Ouais. Ouais, c'est une connerie. C'est intéressant, ça. Ouais. Il ne fallait surtout pas. D'accord. Bon, bah écoute, Guillaume, merci pour tout, vraiment. J'espère que cette émission plaira au public. À très bientôt, les amis. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à lire les bouquins de Guillaume Fay. À très bientôt. Vive la France, vive l'Europe. Salut, les gars.